Bienvenue rue de la Pierre Perdue. L'univers de Michel est né il y a 10 ans. Il achète un petit bout de terrain avec dessus un énorme tas de pierres, de briques et d'ardoises. Alors, il ne me convenait pas, il était un tas de pierres. Donc, j'en ai fait un rond. Puis quand j'en ai fait un, celui-là, j'ai refait l'autre. Au fil des années, 30 tours sont sortis de terre. Une pulsion, puis une addiction venue d'ailleurs. Et je commence la tour. Je la commence et je ne sais pas comment je vais la finir. Je ne sais pas comment. Il n'y a aucun plan. C'est suivant ce que j'ai. Forcément, les étranges tours de Michel attirent les curieux. Serge, éberlué, n'a pas hésité à garer son poids lourd. Dans le monde, comme on disait, pointu, carré, avec plein de normes, etc., si on n'a pas des gens qui ont un peu l'esprit qui vagabonde et qui va comme ça, non, notre monde est foutu. Des amateurs d'art sont passés, ils ont leur version. Ils m'ont dit que c'était de l'art brut. Oui. Mais ça c'est parce que j'étais chez les compagnons aussi. Quant à Denise, l'épouse de Michel, elle laisse faire. Moi, je ne suis pas tellement pour l'art, alors pourvu que lui, ça lui plaise, ça va. Et aujourd'hui, des tours, Michel en verrait bien un peu partout. Mais moi, j'en voudrais sur tous les ronds-points. Le rond dans le rond-point, ça c'est idéal. Une tour comme ça, c'est le milieu d'un rond-point, idéal. Parce que les tours, non seulement c'est bon pour les ronds-points, mais aussi pour le moral. L'homme, il est malheureux de rien faire. Si j'étais président, ou maire surtout, parce que président, c'est autre chose, mais maire d'une commune, je donnerais un terrain et puis que les jeunes fassent quelque chose, chacun fasse son petit univers pour comprendre qu'il peut faire quelque chose avec pas grand-chose. C'est que du déchet, ça. Je m'étonne de moi-même d'avoir réussi ça. C'est fou, hein? Mais c'est fou! Moi-même d'avoir...